Le sinus de 2x est une fonction composée. Pour calculer sa dérivée, nous utilisons donc la formule correspondante. G d'un f de x prime, c'est g prime, mais pas exprimé en x, mais bien en f de x, fois f prime de x. Pour notre exercice, le g c'est le sin et le f de x c'est le 2x. Donc g de f de x prime, c'est g prime, le sin prime c'est cos, mais ce cosinus, on ne l'exprime pas en x, mais bien en f de x. Par conséquent, nous obtenons cosinus de 2x. Ce cosinus de 2x doit encore être multiplié par la dérivée de 2x, comme ceci. La dérivée de 2x étant égale à 2, ce 2, nous le mettons devant le cosinus, et ainsi nous obtenons comme dérivée de sinus de 2x, 2 fois le cosinus de 2x. Et l'exercice est déjà terminé.